Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de colis. C'est pour le swap de Pâques que j'ai organisé sur mon groupe de Facebook. Donc moi c'est ma binôme qui m'a envoyé, donc Stéphanie. Moi je suis une vilaine parce qu'elle a toujours pas reçu le mien, mais bon, j'ai l'excuse du mariage. Du coup ça m'a mis en retard, mais elle va le recevoir, elle va bientôt le recevoir, voilà, mais bon, elle le sait, donc ça va être un pack en retard, mais voilà. Donc moi j'ai reçu le sien hier, voilà, donc je vais le déballer avec vous. J'ai juste ouvert ici pour essayer de faire le moins de bruit possible. Et donc on va découvrir ensemble. Voilà. Alors, il y a du papier bulle que je vais garder. Alors, il y a un petit tag déjà. Voilà. De la part du petit lapin de Pâques. Regardez. Tout mignon. Alors, je vais d'abord retirer, alors pour Didith, je vais retirer tout de suite ce qu'il y a dans le carton. Il y a des jolies choses. Voilà. Hop, il n'y a plus rien, c'est bon. On peut enlever le carton. Alors, déjà, il y a ça, un petit lapin, un petit sachet en forme de lapin, il a même sa petite queue, gourmand, donc, hein, et je vais d'abord ouvrir la queue, ici, pour Didith, avec des petits lapins, des petites poules. Alors, coucou Didith, voici mon swap de Pâques, désolé du retard. Oui, mais t'inquiète, moi aussi, hein, t'as vu, je suis super en retard. De toute façon, moi, je suis toujours en retard. La faute d'une commande que j'attends de papier pour faire ton swap. Oui, elle avait fait une commande de papier, puis elle l'a pas reçu, donc... J'espère qu'il sera à ton goût et de plaisir de te l'avoir fait. Bon, bonne découverte. Et bon scrap, bisous, Stéphanie, via les créas de Steph. Voilà. Et puis, d'ailleurs, un grand thank you. Voilà. Et la carte, joli lapin. Donc, on revient sur le petit lapin avec les petites oreilles. Ça, ça sent le chocolat. Oui. C'est rigolo comme emballage. J'aime bien. Allez. Moi qui viens de reprendre le régime. Miam, miam, miam. Bon. J'en mangerai un ou deux par jour. Je peux. Merci. Alors. Le petit ou le grand? Non, on va ouvrir celui-là d'abord. J'aime bien le papier d'emballage, regardez, avec les petites carottes. Ouais. De côté. Oui, c'est mignon. Rien de schéma. Voilà. Avec un lapin, le mouton, les œufs, les petites fleurs, etc. C'est vraiment très mignon. Vraiment très joli. Et là, les transferts Rubon. Donc ça, c'est Cultura.
Les lapins aussi, les poules, les œufs, les carottes. Tout mignon. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Voilà le gros paquet. Ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Avec les petites fesses du lapin. Ah, super. Oh, trop mignon. Il est trop mignon. Merci, merci, merci. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Parce qu'en plus, je n'ai plus d'ongles. Mais ils ont, heureusement, ils ont tenu pour le mariage. Et après le mariage, ils ont cassé. Ils n'ont pas tous cassé, hein, mais du coup, comme il y en a 2-3 qui ont cassé, ben, j'ai dû les couper. Oh, j'aime bien le ruban. Ça, je vais le garder aussi, bien sûr. Regardez. Joyeuse Pâques. Ouh, c'est tout mignon, ça. Oh, il y a une petite chose qui s'est sauvée, mais c'est rien. Regardez. Tout mignon. Avec les petits lapins, les œufs. Ah oui, alors, donc, je pense que c'était collé. Scratché. Hop, voilà. Donc un petit lapin qui s'est sauvé. Il a voulu se faire la malle. Oh, mais c'est joli, joli, joli. Alors là, regardez, quand on l'ouvre. Hop là. Regardez quand on l'ouvre. Ben, je crois que j'ai bien fait de pas encore envoyer le mien, je vais l'améliorer. Alors, attendez, je crois que je vais bouger la caméra pour que vous puissiez bien voir. Alors, voilà. Comme ça vous voyez mieux. Alors ici les petits lapins, regardez. Tout mignon. Oh, ils sont trop beaux. Et dedans, hop, les petits washi, donc là avec des petits poussins. Là, un deuxième lapin. Ah, c'est trop beau. Trop chou. Voilà, avec un washi pailleté. Ensuite, ici. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Oh, trop mignon. Regardez. Un grand paperclip avec une petite souris. Oh, regardez. Oh, c'est trop beau. Trop mignon. Ah, oh, j'adore. Oh, elle est trop belle. Donc là, on a une petite pochette avec une petite carotte. Tout. Une petite enveloppe. Avec un petit ATC, lapin de Pâques. Trop mignon aussi, dans sa petite enveloppe. Ça a dû passer un temps fou à le faire. Ah oui, la petite carte. Ah bah voilà où il allait le petit lapin alors.
Le petit lapin, elle est ici. Voilà, parce que la petite carotte est sur une pince. Voilà, c'est compris. Du ruban avec des petits poussins. Là, du ruban avec des petits lapins. C'est vraiment tout mignon. Hein. Autre chou, des tampons, regardez, marqué joyeuse Pâques, donc avec des petits lapins, des petits œufs, des fleurs, le papillon, le petit poussin, ah, trop chou. Des petits nœuds, je pense que c'est des petits nœuds que tu as fait toi-même. Ouais. Regardez. Vraiment trop trop chou. Ah, c'est vraiment trop trop mignon. Des petits tags, pareil. Oh, regardez. Trop mignon. J'adore. Alors je regarde. Non, de ce côté-là, il n'y a plus rien. Alors la deuxième partie, je regarde ce que vous voyez bien. Voilà comment ça s'ouvre. Des petits stickers en mousse avec des petits œufs pailletés. Des petits lapins, des petits poussins. Et là, c'est pareil. Il y a des petits lapins, il y a des petits poussins pailletés. Ils sont trop choux aussi. Le papier, il est très joli. J'aime bien. Là, les grands trombones. En plus, ça tombe bien parce que ceux-là, de couleur, j'en ai pas. Et là, oh, super! Ah ben je vais pouvoir le mettre dans mon livre. Elle m'a fait un marque-page. Ah chouette. Je vais le mettre dans mon livre que je suis en train de lire en ce moment. Regardez. Trop mignon. Là, pareil. Les petites pinces à linge avec le petit lapin dessus. Et de l'autre côté, des petites découpes, des petits tamponnages. Voilà, il y en a plus. Il y en a encore un. Des petits lapins. Là, tu as dû passer un temps fou à la. À les faire. Oh, ils sont trop choux. Oh, il est mignon celui-là. C'est le printemps. Les petites carottes. Petit lapin. Joyeuse Pâques. Les petits printemps, et encore un petit lapin, super. Ouais, écoute, tu m'as fait un très très joli swap, j'aime beaucoup. Comme ça, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, avec un coup de cœur pour la petite souris et pour les petites fesses du lapin ici. Ah là, ça j'adore j'adore j'adore, j'aime tout. Mais merci beaucoup, tu m'as gâté.
Moi, je fais au mieux pour que tu l'aies très très vite. De toute façon, tu l'as cette semaine, ça c'est sûr. Y a pas de souci, hein. Et encore, je m'excuse encore, ma belle, pour le retard, hein, que tu ne l'aies pas eu à temps. Mais je fais tout mon possible pour que tu l'aies très très vite cette semaine. Voilà, mais je te remercie encore énormément pour cet envoi. Le temps que tu as passé pour faire tous ces petits lapins et tout, là, ils sont tout mignons, j'adore. Ah ouais, les petits nœuds que tu as fait, les tags, vraiment superbe. Je te remercie encore beaucoup. Là, je vais garder les rubans, je vais tout garder, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et encore un énorme merci. J'adore tout. Voilà. Je vais mettre bien la caméra. Voilà. Alors, encore un grand merci, Stéphanie. Je vais partager, si tu veux bien, les chocolats avec mon chouchou. Je te fais des gros bisous. Et moi, je fais le plus vite possible pour que tu reçois le tien très très vite, cette semaine. Tu le reçois cette semaine, c'est sûr. Voilà. Et vous, mes abonnés, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce que Stéphanie m'a envoyé vous a plu également. Hein. Je vois qu'elle a passé du temps à confectionner tout ce petit swap, hein, tous ces petits lapins, ces petites rosaces, voilà, ces petits trucs là. Oh, j'adore cette petite souris, oh, elle est trop mignonne. Ouais, j'adore. Donc, je vous dis tous à très bientôt. Bah, dès que mon swap pour Stéphanie est parti, bah, je vous le montre. Dès qu'elle l'a reçu, je vous montrerai. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et Stéphanie, un big bisou pour toi. Et je vous fais à tous de gros bisous aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, à bientôt.